Nos origines, c'est mon grand-père. Notre philosophie, c'est la famille. On travaille en famille. La famille bourgeoise. On a montré qu'à Sancerre, on avait des très grands terroirs. On a quelques pépites qui nous permettent de révéler la notion de terroir avant le cépage. Les argilo-calcaires et les silex vont donner un style de vin différent. Les silex apportent une finesse, une élégance au Sauvignon Blanc qui lui est plutôt généreux, qui est plutôt un cépage qui donne du fruit, de la gourmandise. Là, il apporte un sérieux. Alors, ces terroirs argilo-calcaires donnent de la rondeur au vin. Le sol va procurer au vin la structure, le gras, la fraîcheur, mais ne va en aucun cas influer sur ses arômes. Les arômes sont plus issus du cépage, avec des notes d'agrumes fraîches, qui sont parfois même très mûres, mais ça c'est dans les gènes du Sauvignon. Les cuves inox servent à conserver toute l'authenticité de l'origine d'un terroir. Mais la cuve inox permet de garder vraiment toute la jeunesse du fruit, toute la finesse des arômes, sans aucun autre artifice. À travers le bois, le vin respire. Et donc, c'est ce qui va permettre de révéler le vin, mais aussi de lui apporter une structure de par les tanins du chêne, en parfaite harmonie avec la partie qui sera vinifiée en cuve, va permettre d'avoir un vin d'avenir. Et le vin va s'affiner. Il va s'affiner avec le temps. C'est de la patience. On ne recherche absolument pas à avoir un boisé qui viendra anéantir toute la puissance du terroir et toute l'identité du terroir, bien au contraire, mais il viendra compléter, il viendra apporter juste une charpente de façon à ce que ce vin puisse être gardé par le consommateur pendant 7 à 10 ans sans aucun problème. La vinification, c'est tout un art, c'est de la patience. Il faut sans arrêt déguster le vin pour essayer de le comprendre. Il faut au fur et à mesure essayer de percevoir ce dont il a besoin. La nature fait tellement bien les choses qu'on laisse le plus possible la nature agir à notre place. On la cadre simplement.